Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle fiche méthode, je vais vous montrer comment déterminer graphiquement le temps de demi-réaction d'une réaction lente. Vous devez connaître la définition du temps de demi-réaction. L'énoncé vous fournira une évolution graphique qu'il faudra exploiter afin de déterminer justement ce T1/2. Voici donc la définition exacte. C'est le temps nécessaire pour que l'avancement ait atteint la moitié de sa valeur finale notée XF. Si vous avez dans un exercice le graphique qui montre X en fonction du temps, ben là c'est facile hein, puisque la définition parle justement de l'avancement. On va donc regarder quelle est la valeur finale de l'avancement, 0,33 mol, et on va ainsi graphiquement rechercher sur la courbe rouge quand est-ce qu'on a atteint la moitié de cet avancement final, environ 0,17 mol, et ainsi on trouve la valeur de T1/2. Alors, si c'était tout le temps comme ça, ce serait très très facile, mais dans les exercices, vous n'avez pas toujours et même pas souvent X en fonction du temps, vous rencontrerez de manière beaucoup plus fréquente une évolution de quantité de matière, une évolution de concentration, ou même, pourquoi pas, une évolution d'absorbance, etc., etc. Donc voici un deuxième exemple un petit peu plus complexe, où là, c'est des quantités de matière, de réactifs et de produits qui sont indiquées lors d'une estérification, c'est-à-dire la réaction entre un acide et un alcool qui donne naissance à un ester. L'ester en rouge, courbe classique pour un produit, on part de zéro et on tend vers une valeur maximale. Et pour les réactifs, là encore, c'est classique, hein, vous avez une courbe décroissante depuis une valeur initiale, mais vous voyez que les deux courbes ne sont pas égales à zéro, et je pourrais attendre hein, encore très 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 longtemps. Vous voyez que là, on est très proche de la stabilité, on n'atteindra jamais la valeur zéro. Le réactif limitant, là en l'occurrence, les deux sont limitants, n'atteindront pas la valeur zéro. C'est parce qu'on a affaire à une réaction qui n'est pas total. Et c'est là où il faut être vigilant, parce que parfois, vous avez tendance à dire par mégarde que le temps de demi-réaction, c'est le temps nécessaire pour que la moitié du réactif limitant ait disparu. Cette définition n'est pas correcte dans le cas d'une réaction qui n'est pas totale. Je vais vous le démontrer très facilement. Prenons donc pour cette estérification, le cas du produit, l'ester qui est formé. Vous voyez qu'on part de 0 et on atteint au final une valeur de 0,67 mol. Donc le temps de demi-réaction, c'est le temps nécessaire pour avoir fait la moitié du chemin. Passer de 0 à 0,67, c'est-à-dire quand on aura atteint le 0,33 mol. Je me repère sur la courbe rouge et je regarde quand est-ce que j'atteins ce 0,33 mol. Je vois ici un T1,5 qui fait environ 12 minutes. Mais j'aurais très bien pu utiliser justement les réactifs. Et si je regarde les réactifs, on part de 1 mol au départ. Et au final, que ce soit pour l'alcool ou l'acide, les deux courbes se superposent, j'obtiens 0,33 mol. Eh bien là, il ne faut pas chercher le temps pour avoir consommé la moitié du réactif limitant, ce qui me ferait 0,5. Non, c'est la moitié de l'avancement final. Et l'avancement m'amène de 1 jusqu'à 0,33. Ça, c'est l'avancement. Donc la moitié de l'avancement, c'est quand j'aurai fait la moitié du chemin. Le chemin, je vais de 1 à 0,33, c'est donc 0,67 mol. La moitié du chemin, ben c'est quand je serai descendu de 0,33 mol. 1 moins 0,33, ça fait 0,67. Donc sur la courbe bleue, je regarde quand est-ce que j'ai atteint ce 0,67 et je trouve bien évidemment la même valeur de T1,5. Parce que quand on s'intéresse à une seule et même réaction chimique, que je me repère à la courbe d'un produit ou la courbe d'un réactif, le T1,5, c'est le T1,5 de la réaction. Et donc je vais trouver exactement la même valeur. Donc attention, soyez vigilants, lorsqu'on a une réaction qui n'est pas totale, il faut bien faire référence à l'avancement final plutôt que de parler des quantités de réactifs limitants. Ça peut être très piégeux. Pour terminer, je vous ai montré comment déterminer graphiquement la valeur de T1,5. Vous serez peut-être amené dans des exercices à calculer la valeur de T1,5 grâce à une formule qui peut être donnée dans l'énoncé. Donc là, il n'y a pas de problème, on applique la formule. Ou bien,
qui peut être à redémontrer à partir de l'évolution d'une loi d'ordre 1. Ça peut être une définition proposée, une démonstration proposée, et ainsi vous appliquez la formule T1 demi égale ln de 2 divisé par k, et k valeur déterminée graphiquement ou valeur qui vous sera fournie, et ainsi on peut confirmer par le calcul une valeur que l'on aura déterminée graphiquement.